Bonjour à tous. Parfois dans notre vie, nous sommes dans la crainte, parce que nous avons à faire face à des défis. Parfois nous ne comprenons même pas les tenants et les aboutissants de ces défis, et donc les solutions nous échappent et notre avenir ressemble à un mur devant nous dont nous ne savons pas comment le contourner. Les disciples ont connu cette situation. À un moment donné, Jésus monte à Jérusalem et on sait que l'atmosphère est très lourde, et c'est ce qui transparaît en tout cas du texte que nous allons lire ensemble, parce que cela fait déjà plusieurs fois que Jésus parle de ce qui va se passer à Jérusalem. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10 et au verset 32 à 34, Marc nous raconte ce qui s'est passé à ce moment-là. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Que tirer de ce texte qui semble si négatif et si noir ? Il me semble plusieurs choses. Tout d'abord, le verset 32 nous dit que Jésus était devant eux. Quand quelqu'un est devant, il est là, il conduit, il avance, il donne la marche, il donne la direction. Mais ceux qui suivent, et le texte dit bien qu'ils étaient derrière lui, ils le suivent, eux sont angoissés et ils sont dans la crainte. Ils ont peur. Voilà, ce qui est devant nous, ça nous fait peur, c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui peut les rassurer dans ce moment-là ? Bien sûr que Jésus est avec eux, mais visiblement, en tout cas pour cet instant-là, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose, moi, qui me touche dans cette histoire, c'est ce que Jésus va dire. Bien sûr, ce qu'il dit techniquement est terrible. Je vais à Jérusalem, nous allons à Jérusalem, il va y avoir des difficultés, je vais être arrêté, je vais être crucifié, je vais mourir, mais le 3e jour, je ressusciterai. C'est-à-dire que Jésus montre qu'il gère les choses, qu'il a la maîtrise des événements. Et ça, mes amis, ça c'est un facteur d'apaisement. Marcher derrière quelqu'un qui a la maîtrise des événements. Eh bien, dans votre vie, il y a sans doute des choses qui vous échappent. Le contexte actuel de cette épidémie que nous traversons déjà depuis plusieurs mois nous échappe également. C'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Il n'y a qu'à voir les décisions gouvernementales qui vont d'un côté et de l'autre ensuite. Mais il y en a un qui est devant nous et qui, lui, maîtrise toutes choses parce qu'il est capable de dire à l'avance ce qui va arriver. Celui-là, c'est Jésus. Jésus connaît notre avenir. N'ayons pas de crainte. Restons derrière lui et avançons sur ses pas, car au bout de la route se trouve le salut.